Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Vous avez Silas qui vous dit bon ben... Vous suivez, monsieur. Ah, c'est le second, hein. Commode, hein. Commode. Non. Et je vous déconseille de la ramener en sa présence. Ouais, c'est le second, quoi. Il y a le quartier maître qui attend que le second soit parti. Puis vous dit, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de mon joueur. Clairement, j'ai pas le temps. J'ai encore tout à préparer pour qu'on parte demain. Toi, là, Jacques-Auguste, hein, c'est ça? C'est ça. Mon chicourt. Ouais, et ben, t'as pas intérêt à me faire de blagues. Tu vas au géol, il te file la petite bourse avec les pièces. Il te dit, je vous veux ici dans... Il regarde, il sort une espèce de montre à gousser, tout ça. Je vous veux ici dans 20 minutes. Si jamais vous êtes parvenu, c'est les soldats du roi qui vont vous ramener. Allez. Et ben c'est parti. À 20 minutes, c'est à la course, hein, je peux vous dire. Que... Ah, ça va encore tout froisser ma chemise. Allez, encore dans le sac. Et ben c'est parti. Voilà. Et lui, il va s'occuper à nouveau de diriger. Il est en train de râler parce qu'il y a une voile qui lui plaît pas, qu'il faut la changer avant qu'il parte et tout. Et... Bon, on va pas vous laisser partir avec 120 pièces de 8. D'ailleurs, on n'a peut-être pas 120 parce que j'ai annoncé que la caution était de 170. Ah ouais, bah, faudra que tu en pleine rue, il a abîmé des gens. Ah, je reconnais bien là mon cousin. Après, de toute façon, là, tu descends sur le pont, tout ça. Tu veux recompter pour voir combien il t'a donné? Je pense qu'ils ont dû nous le demander, nous qui pouvons le savoir. Après, en fait, il t'a donné juste une bourse comme ça. Ah oui, à moins que ça soit une sorte de... Ah oui, donc je compterais bien ce qu'il y a dedans, oui. Bon, je suppose que tu... 20 minutes, on a dit, là. Ah bon, j'ai l'habitude. Tu te mets à l'écart. En fait, il y a 200 pièces de 8 dans la bourse, Jacques-Auguste. 200 pièces de 8. C'est une somme et ça pèse, hein. Je peux te dire que. Ah oui, mais ça brille autant que les petites étoiles que j'ai dans les yeux. 200 pièces de 8. Non, pas de blague, Jacques-Auguste, on a dit qu'on le ramenait. On va le ramener. On va le ramener, pas de problème. Bon, tu remets en recomptant, tu remets tout dedans ou. Oui, et puis tout le long du voyage, je me pose la question, est-ce que je soustrais la différence? Ou une partie de la différence. Il faut juste que tu me le dises avant que tu sois arrivé, mais tu peux me le dire en MP si tu veux. Je le garde, je le surveille d'un... Ah oui, mais tu vas faire à Jacques-Auguste mon chicourt, qui... Je suis pas sûr que... Et puis moi, je pense que je vais tout faire pour que Jacques ne puisse pas surveiller Jacques-Auguste. D'accord, j'imagine bien. Vous êtes en train de cavaler dans les roues du truc, tu te mets... Il ne reviendra jamais. En fait, tu sais, donc là-bas, la belle anglaise. Oui. C'était ma première fois. Oh, c'était fabuleux. Tu veux que je te raconte ce qu'elle m'a fait? On est pressé là. Oui, bah justement. En courant. C'était très rapide. Tu sais. Je suis un peu étonné par ce que dit Guillaume, parce que je pense au contraire qu'il allait pas me faire prendre de risque à dérober quelque argent pour être sûr d'embarquer. Mais... J'occupe Jacques. Jacques. Je l'occupe, après je te laisse. Ouais. Je laisse faire ce que tu souhaites. Je suis encore bien. Plus. je suis encore plus trituré, écartelé mentalement. Ah bah tiens, on est arrivé. Bah, de toute façon, il faut payer la caution, donc 120 pièces d'or, ça c'est clair. On paye les 120 pièces d'or, pièces de 8 de la caution. Je garde le restant. Ça me laisse le retour pour réfléchir. D'accord. Alors, quand vous arrivez avec la somme, les gardes ne vous posent pas de problème particulier. Ils vont vous faire signer un registre, par contre. Alors, ceux qui savent écrire, eh ben, je m'y colle. Ils vous font signer comme quoi Bastien Maugeur a été libéré sous caution pour embarquer sur le Saint-Michel, etc. Pas mention de du montant de la caution. Si, si, c'est écrit. Il y a bien écrit 120 pièces d'or. C'est ce qu'ils t'ont annoncé. Là, pour ça, ils sont dessus. Non, il n'y a pas de reçu, mais vous avez Bastien qui sort. Par contre, vous voyez, le mec qui va sortir, il s'est clairement battu. Mais ouais, vous voyez, il a tout un côté du visage qui est tuméfié, boitillé un petit peu, là. Tire la géole. Donc, il sent un petit peu l'alcool encore. Voilà, il n'est pas en très, très bon état. Et il sort et dit, ah bah, c'est pas trop tôt. Bah, qu'est-ce qu'il faisait au Saint-Michel, alors? Tu sais que tu nous dois une fière chandelle, toi. Hein. Allez, puis te donne une grande claque dans le dos. Allez, mon gars, bah c'est bon, tout est bien qui finit bien. Allez, 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 on y va. Et puis il vous pousse un petit peu parce que vous sentez qu'il a peut-être pas trop envie de rester.
Qu'il a bien vu la prison, que maintenant c'est bon, il sait ce qu'il y a dedans, il n'a pas envie d'y. Et Jacques Auguste, n'oublie pas de partager les 80 pièces qui restent. Par 4, ça fait 20 pièces chacun. Je sais pas lire, mais je sais compter. Alors, vous êtes juste sorti de la prison, et Bastien va t'entendre dire ça, et dit « Ah, mais on fait des petites affaires, ben on va bien s'entendre là !» Ah ben voilà, c'est le quartier maître, il a dit qu'il fallait que je rentre là ou que... Enfin... Oui, vaut mieux et que c'était même urgent d'ailleurs, il faut courir, donc courons. C'est parce que là, j'ai pas tout à fait fini moi de faire ce que j'avais à faire ici, là, donc... Bon, je pense qu'on peut embarquer. Oui, oui, on prend... Je dis rien et puis... Et puis je vais faire un petit tour et puis je vous rejoins après. Hein non, 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 callback. Tu nous suis tout de suite. Je pense qu'un de chaque côté pour l'emmener. Ouais, vous l'escortez, tout ça. Oui. Qui arrive à marcher droit et assez rapidement. Nous reste combien de temps d'ailleurs ? On y va, mais c'est pas juste hein, que j'ai fini en géole. Hein, parce que j'étais pas tout seul à me battre. Hein. Et qu'est-ce que t'avais à terminer ? Pas tout seul à me battre. Il faut que... Il revérifie s'il y a personne qui regarde autour de vous. Et dit, vous êtes des gars à qui je peux faire confiance, hein. Bien sûr, bien entendu. Mais ouais. Il faut que je retrouve ce fichu Thomas avant de partir de Saint-Malo. Et il faut que je retrouve, de toute façon, il faut que j'y aille. Bon, il faut que j'aille voir le quartier maître, je suppose. Il nous reste ça vous dit, ce soir, de faire un petit peu la fête avant de vous embarquer pour quelques mois et que vous allez vous ennuyer? Ah oui, d'accord, ça marche. C'est très puisque bien, vous êtes venu me chercher, je vous dois bien ça. Hein, bon, j'ai un compte à régler avec Thomas Aigremont ce soir. Je vous montrerai comment on peut sortir du Saint-Michel sans se faire prendre par le quartier maître. Et puis vous allez m'aider à retrouver, hein, à le retrouver, ce salopio, oui. Et puis à récupérer ce qu'il me doit. Ah oui, une dette c'est une dette. Ceux qui ne les honorent pas sont indignes de confiance. Ouais. Ils ne méritent pas de la boire. Bon, c'est dit. Il crache dans sa main, il tend la main, Jacques Auguste. Allez, et je lui empoigne. Marché conclu. Il se retourne vers toi, Jack. Mais qu'est-ce qu'il te doit, au fait ? Il me doit. J'ai joué au jeu. Hein, j'ai gagné un carnet de notes. Et il m'a attendu que je sorte de la taverne pour me taper dessus avec ses acolytes. Et il m'a repris ce que je venais juste de gagner. Un carnet de notes ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'important, ce carnet de notes ? Il y a toutes les cartes des régions des Caraïbes. Jamais publié, mon gars. Tu sais pas ce qu'on peut trouver, hein. Et ouais. La question que je parte de Saint-Malo sans ça, hein, part dans les Antilles. Il me les faut, ces cartes, hein. Et je les ai gagnés. Ah oui, il y a le besoin pour le navire. Et les marchés conclus. L'otage. Ouais, enfin, okay. Pour le navire, pour moi surtout. Hein. Je vous cache pas que le capitaine, il n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on fait, hein, nous autres. Hein, pas vrai, les gars? Tout à fait. Et puis, il regarde, tu sais, il regarde la bourse de pièces, là, qu'il regarde. Que je tiens, hein, bien. Ça reste entre nous. Ouais. Vous allez arriver au bateau en très peu de temps, hein, parce que là, vous avez réussi à lui éviter de se barrer. Quand vous rentrez sur le bateau, le quartier maître prend Bastien par le callback et il lui dit « C'est pas parce que t'es maître pilote que tu peux tout te permettre. Tu vas te débrouiller avec le Bosco et puis on verra bien, hein, ce que tu vas t'en tirer. Hein. À chaque fois qu'on fait relâche, à chaque fois c'est pareil. Hein. C'est plus possible. Hein. » C'est la dernière fois que tu seras embauché sur le Saint-Michel, hein, si tu continues. Puis vous voyez, en fait, c'est un officier, hein, Bastien Bonchemeur, hein, contrairement à ce que vous auriez pu croire. Et en fait, il va du quartier des officiers, et du côté, il y a le second. Vous voyez d'ailleurs le capitaine qui est arrivé aussi. Mais c'est le capitaine, c'est Jacques Bruyas. Il rigole pas, hein. Il est bon, mais il rigole pas. Hein. Vous voyez qu'ils descendent. Le capitaine, en fait, il a une salle de conseil. Il a sa cabine à côté. Donc, ils vont descendre dessous la dunette. Et quand ils sont là, ben, personne n'entendra ce qu'ils vont se dire. Parce que ben, les marins n'ont rien à y faire. Et vous, ben, en fait, on va pas trop vous dire grand-chose. Parce que le bateau part le lendemain. Tout a été déjà chargé dans les cales et tout ça. Là, quand vous allez rentrer, eh ben, ils vont vous faire manger à l'intérieur du bateau. Parce qu'ils tiennent pas trop à ce que vous ressortiez, en fait. Donc, dans la vue de l'entrepont, ce que vous voyez pendouiller, là, c'est là où sont accrochés les hamacs. Ah oui, on mange aussi à cet endroit-là, d'accord. Et c'est là où vous mangez. Donc, en fait, les hamacs, ben, comme ils vont vous l'expliquer, quand il y a des heures où on dort, mais pas beaucoup d'heures, hein, dans le bateau. Et le reste du temps, il faut que vous repliez tout. Hein. Et en fait, chaque hamac... Et partagé par deux matelots, parce qu'il y a un bâbordé et un tribordé qui vont avoir le même hamac. Parce que comme vous n'avez pas les mêmes quarts, pendant qu'il y en a qui dorment, ben, il y en a d'autres qui bossent. Donc c'est pour ça que vous pouvez... qu'il y a parfois deux coffres en dessous de chaque hamac. Oui, parce qu'en fait, un hamac, c'est pour deux.
D'accord. Donc vous êtes tous des tribordés, c'est ce que je vous ai dit, je crois. Oui, c'est ça. Donc vous travaillerez toujours, vous serez réveillés tout le temps en même temps. Ok. Donc là, il y a Guy, Bastien, mangeur, là, qui va partir du côté des officiers. Vous n'allez pas trop le voir. Vous, pendant ce temps-là, ils vont vous servir un repas. Peut-être que je rends de la monnaie. Que je fais sans avoir retiré. Ah oui, c'est vrai, retiré... quand tu as vu le quartier maître, ouais, tu oui. lui redonnes quoi ? La monnaie exacte. La monnaie exacte ? Oui, en lui précisant bien que c'était 120 pièces pour la caution. D'accord. Je me suis fait violence. Ok. Sans le consulter. Un honnête pirate. Ouais, avant que tu aies eu le temps de dire quoi que ce soit, tu vois. Donc, ils vont vous servir un repas. Donc, en gros, c'est. Là, c'est encore. Vous êtes à terre, donc c'est à peu près frais. Il y a une espèce de soupe de légumes avec des bouts de lard dedans. Donc, ça va, c'est très salé, mais ça se mange. Et on vous sert à tous. Alors, vous avez tous besoin d'avoir votre quart pour boire. Ce que vous avez, il y a un tableau qu'on voit pas là, mais vous avez les tasses. En fait, quand on vous sert à manger, c'est vous êtes regroupés par 4 ou 5. Il y en a un qui va avoir le pot commun, il va aller remplir ça, le coq, Jean-Baptiste, qui sert. Alors lui, il a en fait la grosse gamelle commune pour tout le bateau. Et en fait, vous, par groupe de 4-5, donc vous êtes là, vous êtes 4, il y a sans doute le grand François et Jo qui vont venir avec vous. Et en fait, il y en a un, donc c'est le grand François qui va s'en charger. Il va prendre votre gamelle commune à tous les 6, il va la remplir au niveau du chef. Et après, chacun d'entre vous, eh ben, vous mangez. Si vous avez une écuelle, vous servez dans votre écuelle. À la limite, vous pouvez manger dans le pot commun aussi. Il y en a quelques-uns qui le font. Et vous avez tous votre timbal en fer blanc, par contre. Et là, en fait, vous avez votre ration de rhum du soir, quoi. Par jour, vous aurez toujours une ration d'alcool, hein. Et une ration d'eau. Mais l'eau, en fait, là, bon, c'est un peu compliqué parce que vous êtes arrivé le soir. Mais les rations d'eau, vous verrez, on vous donne votre ration en début de journée pour toute la journée. Vous en faites ce que vous voulez. Soit vous buvez tout de suite si vous avez peur de renverser, soit vous vous trimballez avec toute la journée. Enfin, vous débrouillez. Mais on boit une fois par jour. Alors, on se débrouille. Là, en tout cas, ce qu'on vous sert à manger, c'est bien, c'est salé par contre. Hein, vous avez le rhum qui accompagne tout ça. Donc, les marins du Saint-Michel se connaissent à peu près tous là avec vous. Donc, il va y avoir aucun des hommes que vous avez vu aller du côté du second. Hein. Donc, même Silas, lui, il fait partie des officiers. Et donc, vous allez avoir les marins que vous avez déjà vus, là, quelques autres. En gros, au niveau des marins, vous devez être à peu près... Il doit y avoir à peu près 80 personnes, là, dans l'espace que je vous ai montré. Presque, ouais, on mange tous en même temps. Là, pour l'instant, quart, oui, parce que vous... Normalement, c'est par quart. Ouais. Mais comme là, vous n'avez pas encore pris la mer, en fait, ils vont faire démarrer les quarts le lendemain pour vous organiser. Avec vous, il y a aussi les chefs de pièce, tout ça, parce qu'en fait, le matelot, il peut être... Matelot, bon, ça, c'est sûr, mais il peut être aussi affecté, en plus, à des travaux au niveau des canons, tout ça. Mais ça, ils vont vous le dire quand le bateau va commencer. Vous n'êtes pas debout, en fait, dans l'autre pont. Vous êtes... sur les parties où il y aura les hamacs, des fois, vous êtes presque accroupis. Mais c'est très, très bas de plafond, hein. D'accord. C'est pour ça, il y en a certains, une fois qu'ils ont récupéré leur gamelle, tout ça, ils montent. Et ils vont manger sur le pont. Avec leur gamelle ou tout ça, hein. C'est pas obligé de manger au même endroit. Faut juste que vous alliez chercher la tambouille au même endroit où il y a le coq. Et après, vous mangez où vous voulez, en fait. Sauf du côté du capitaine, hein, ça, on n'y va pas, hein, du côté des officiers. Hein. Mmh. Au plus près, pour aller manger. La plupart des marins se connaissent, gardent du coin de l'œil, tout ça. Ils vont pas trop chercher à discuter avec vous ce soir. Parce qu'il y en a certains qui regardent, qui sont en train de parler de leurs femmes, de leurs enfants, de choses comme ça. Et vous voyez que bon, ils savent qu'ils vont partir pendant longtemps et que ils sont encore un petit peu nostalgiques de la terre pour l'instant. Les quarts vont commencer après le repas. Donc on va vous séparer en bâbordé et en tribordé. Et donc le quart de nuit, là, ça sera un quart de surveillance. Donc vous savez que ça va être cool, hein, pour ceux qui ont déjà été sur un bateau. Parce que là, tout est rangé et tout. Donc il y a même pas, vous êtes même pas en mer. Donc il n'y aura pas grand chose à faire. Vous allez être normalement de repos. Il n'y a pas les hamacs qui sont tendus tout de suite. En principe, vous êtes de repos. Mais ça veut dire aussi que c'est le moment de faire de la couture. Il y a certaines voiles qui demandent à être rafistolées. Il y a des trucs. Bon, là, c'est le premier jour. Donc on vous embête pas trop. En fait, je vous laisse un petit peu discuter. Entre vous, est-ce que vous restez au niveau de l'entrepont, vous remontez sur le pont ou ouais, vous remontez sur le pont? Oui, oui. J'aurais bien traîner des côtés des cabines et
peut-être des officiers, mais sans outrepasser mes droits de matelot. Bah après, tu trouves un bout à remettre comme il faut, tu vois. Oui, ou même pour finir de manger. Sur le pont, donc il y a les trois mâts, vous avez une chaloupe qui prend un bel espace hein, au niveau de l'avant du bateau. Il y a des canons sur le pont, il y en a dans l'entrepont aussi, hein, que je ne vous ai pas montré, il y en a à peu près autant dans l'entrepont que dans le canon. C'est un bateau de commerce hein, sur lequel vous êtes, mais les mers n'étant pas très sûres, voilà ce que vous trouvez. Et en discutant avec les autres marins, vous apprenez que demain, vous allez partir, mais vous allez partir en convoi en fait. Il y a le Saint-Michel qui part. Vous allez partir, il y aura un navire de guerre qui va vous prêter main forte pour éviter les mauvaises rencontres en cours de route. Vous avez deux autres navires marchands qui vont partir aussi. Est-ce qu'il y aurait la Belle Française dans le... Non, parce que ça c'est un navire de la Marine Royale. Par contre, vous savez, enfin ça se fait, hein, ceux qui ont déjà navigué, c'est rare que le bateau y parte tout seul. Donc pendant que vous êtes en train de traîner sur le pont pour certains, donc Jacques Auguste arrive à t'approcher un peu, mais pas très très loin parce que... Quand le second commence à t'observer, tu sais que t'as dépassé le point où tu ne dois plus aller, c'est-à-dire la dunette. Parce que sur le pont, en fait, t'as la partie arrière qui est surélevée. Mm-hmm. Là, tu vas pas poser un pied dessus, quoi. Enfin, mm-hmm. Ni au-dessus, ni en dessous. C'est... Ouais, tu sais que là, ça fait pas partie de l'endroit où t'es censé aller. Hein. Voilà, mais si je peux laisser traîner mes oreilles par là, avec plaisir. Après, tu peux essayer d'entendre parce que tu entends des voix qui viennent du dessous, des gens qui sont en train de remonter. Tu vas me faire un test de charisme et de discrétion. Alors, ça paraît un petit peu antagoniste. C'est juste pour voir si tu fais assez bien croire que tu es en train de faire quelque chose que tu es censé faire. Voilà, c'est se fondre dans la foule. Hein, donc, voir si tu es. J'essaie de négocier. À ta place. Pas plutôt adaptabilité ou un truc comme ça. Non. Tu vois bien le quartier maître qui va regarder, qui a l'air de se demander ce que tu es en train de fiche. Et puis bon, tu vas trouver un couvercle à remettre sur le tonneau d'eau, par exemple, un truc comme ça. Et tu vas entendre quelques voix qui s'échappent de la cabine. Tu vas entendre que Bastien Mogemer est en train de se faire, mais descendre par le second, par le capitaine et tout ça. Il le menace des pires représailles si jamais il vient comme ça au dernier moment, qu'il n'est pas sérieux. Que ça sera sur son livret de marin, qu'il trouvera plus jamais, etc., etc. Et au bout d'un moment, vous voyez Bastien qui va sortir du quartier des officiers et qui va s'accouder sur la lisse, là, à côté d'un des canons, comme ça, qui n'a pas l'air du tout traumatisé par la discussion qui vient de lui tomber dessus, quoi. Vous voyez qu'il n'a pas l'air de le prendre mal. Et donc, si toi, tu l'as vu sortir, après les autres qui regardaient un petit peu ce qui se passait, vous allez le voir, hein, de toute façon. Hein. Je vais lui parler, je vais lui demander, alors, tempête Avis de tempête. Ouais, mais ils peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent. Sans moi, ils arriveront jamais là où il faut qu'ils aillent. Donc, j'ai l'habitude. Ça parle. De toute façon, ils finissent toujours par venir me rechercher. Alors, bon, pour ce soir, tu vois qu'il regarde. La nuit est déjà tombée. Il vous dit, ben, vous allez au niveau de l'entrepont, juste à côté de la coquerie. Il y a un sabord qui est juste à droite de la coquerie. On se retrouve là. Tu dis ça à tes collègues. Ils regardent. Parce que vous avez pas d'heure hein, dans les. Voilà. On va se retrouver là. Hein, donc essayez de pas y aller tous en même temps, discrètement tout ça. Et dès que je peux, j'y fais un saut. Ok, on s'attend là-bas. Et puis il continue à scruter l'horizon, tout ça. Et puis au bout d'un moment, il va se diriger aussi vers l'entrepont, vous savez pas trop bien. Où nous l'attendons, discrètement, en 32. Donc après, c'est assez facile d'être discret parce qu'il n'y a plus de lumière. Au niveau de l'entrepont, il y a quelques lampes à l'huile, mais il n'y en a pratiquement pas. Donc c'est très très sombre à l'intérieur du bateau. Sitôt la nuit tombée, là en plus les sabords sont refermés, hein, vu que vous êtes au port, il n'y a pratiquement aucune lumière. Il y a une lumière dans la coquerie. Enfin, après, c'est pas bien compliqué hein, dans un bateau. C'est une fois que l'escalier est descendu, c'est tout droit. Hein. Il y a des choses qui traînent un petit peu partout. Si vous voulez pas être vu, c'est pas très compliqué. Une fois que la nuit est tombée. Hein. Donc, d'accord. Vous arrivez, suivant ses indications, il y a Bastien qui est là. Il va essayer, il va trouver une espèce de bout de voile qui traîne et tout ça. Il va le placer de façon à occulter la lumière du sabord. Ça sert en fait pour qu'on puisse tirer avec les canons. Ouais, c'est l'ouverture en fait. Ouais, d'accord.
Voilà. Donc juste à côté de la coquerie, il y en a un. Donc le canon n'est pas contre le sabord, vu que là, vous n'êtes pas en situation où vous devez tirer. Donc il va ouvrir ça discrètement, occulter la lumière, et puis il va accrocher une corde. Et vous voyez qu'il a l'habitude de passer par là, parce qu'il a même un petit crochet qui lui permet d'accrocher la corde sur le côté. Et puis il dit, bon ben, allez, on y va. Et il va descendre directement dans l'eau.